que tout le monde devrait jouer avec trois défenseurs. Maintenant, est-ce que nous avons les hommes pour jouer à ça? Parce que Sabali, quand il reviendra, Sabali, on va avoir Sabali de jouer avec trois défenseurs. Sabali, du point de vue offensif, il est... Benen Kibi, moi, quand tu as le petit Sar, là, le soir de Marseille, quand tu l'as dans ton équipe, tu n'as pas à chercher un piston à droite. Oui. Quand lui, il est dans le couloir droit, il va tellement vite que tu n'as pas besoin d'avoir un piston réel pour vous. Tu cherches un arrière latéral de métier, dans la conservation et tout, bien travailler, mon mouguet, on a le bien, parce qu'on sait qu'il est meilleur, on a le bon. Donc, tu penses que l'utilisation d'un piston de failli annihiler presque l'apport offensif du garçon qui sera à droite. De failli annihiler les qualités de vitesse de Machin Sarr, excusez-moi, le nom Sarr. Parce que sa qualité, l'une de ses qualités premières, c'est sa vitesse de course. D'ailleurs, pour le voilà, parce que en vitesse de course, au dernier moment, il se concentre plus pour savoir de faire centrer ou le dédouer ses cailles. Pour le progresser, bon. Okay. Donc, quand tu as un gamin comme ça, il demande d'aller la moitié de la zone droite. Pour remarquer, même si lui, l'avantage, je peux marquer, bon. Donc, jouer 90 minutes, tu es pour faire pour grave ou le gagner ou là. Absolument. Donc, quand tu as un garçon très rapide à droite, tu n'as pas à trouver un piston à droite aussi. Parce que quand tu vois un piston bidec, voyez, tu peux délaisser. Ça, tu peux délaisser. Mais si on parle grand, si on parle football, c'est pas pour te contredire parce que Hamdan est mon bon camarade. Mais quand même, on peut avoir un piston et un attaquant vous piquer vers le centre. Ce fait qu'on amène cette qualité-là. C'est vrai qu'Ismaël il a tendance à percuter sur les côtés, mais souvent on le voit mouille piquer vers le centre. Ouais, mais quand tu as le petit Diaye là. Iliman Diaye ne déborde pas, il déborde rarement. Oui. Donc c'est un élément de soutien. Quand tu l'as à droite, il peut te permettre d'avoir un soutien à droite. C'est de la cohérence, ça. Tout à fait. Parce que mon, dans son jeu, dans son travail, c'est de je cours, je cours à l'intérieur. Pour délaisser l'espace. Maintenant, quand tu as un garçon rapide, comme Mbappé, comme Koku, comme Nouvel Nono, tu es cohérent. Tu amènes le jeu à gauche, tu crées l'espace à droite pour que le garçon là, le star là, m'en pour vous. D'accord. D'ailleurs, on ne le fait pas assez. D'accord. Alors, quand tu joues avec une défense à droite, c'est pour conserver le ballon généralement. C'est pour être nombreux dans la zone adverse. D'accord. Là, c'est des passes en progression rapide.